Et tu dis que c'est fin de journée 8. Alors, de retour sur le journal du Bloc à 41. Pour la première course par étape de la saison, le tour du canton de Saint-Cyr. Alors, Morgane, quelles sont vos impressions juste avant justement la première étape qui aura lieu demain, longue de 145 km 800. J'espère que je vais pouvoir emmener Nicolas à l'autosprint avec une très belle 10e place à la route Orangelle. Donc voilà, c'est notre leader désigné pour demain. Et après, s'il arrive à prendre le maillot jaune, on roulera pour lui dimanche matin et dimanche après-midi. Ah super, donc vous jouez la carte Nicolas Lotte, très bien. Julien Groseillet, vous êtes justement en train de regarder la liste des engagés. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus justement sur la première course par étape que vous allez effectuer au sein de l'équipe du Bloc CAC 41 pour la deuxième saison d'affilée? Moi en fait je viens pour m'entraîner et pour me débarrasser d'un rhume récurrent que j'ai depuis le début de la semaine. Donc en l'occurrence je m'en fous complètement des autres, je vais faire la course pour moi, vous voyez. D'accord, écoutez, très bien, merci. Jérémy Ortiz, c'est la nouvelle recrue du Bloc CAC 41, vraiment celle que l'on attend, vraiment tous ici, tout le monde, au porte-bagages, il aura du monde, je crois. Jérémy, donc vous êtes, je crois, en train de préparer, ou plutôt vous avez dans la tête le chrono d'or, la première manche de Coupe de France. Saint-Cyr, c'est peut-être un petit peu moins pour vous. Vous, c'est la Coupe de France. Ouais, non, je suis nul là vraiment pour préparer ça, donc ça fait une semaine que je dors. Non. Ça fait... Ouais, allez-y. Ça fait une semaine que je pense jour et nuit à ce casque qu'on m'a prêté. Et le vélo, je l'ai toujours pas, le vélo de chrono, mais bon, c'est pas ça le problème. Donc là, je suis nu, puis on verra. Je pense que je vais mettre devant le paquet dès le départ, et puis je vais faire 150 bornes devant de chrono. Ni Nicolas Lotte comme leader, toujours, ou pas? Ah bah oui, ça change pas, non, c'est une équipe qui gagne, toujours leader, et puis je crois qu'il sera là encore très longtemps, dans 10 ans, il sera encore là, je pense. Ok, écoutez, merci beaucoup, on vous donne rendez-vous, bien entendu, demain, pour la deuxième étape, pour la première étape, voilà, on va faire le briefing de la première étape, on vous donnera rendez-vous exactement aussi dimanche. Voilà, c'est bien parti en tout cas. Jérémy Ortiz, Coupe de France. Morgane Lamasson pour Nicolas Lotte. Et Julien Groseillet qui en a rien à foutre. Une équipe qui va gagner, je pense, ce week-end du Tour du canton de Saint-Cyr. Au revoir, merci, bonsoir.